Hey, bonjour à tous, c'est Akoris, on se retrouve sur Graveyard Keeper. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui me l'ont dit en commentaire, je suis sûr. Mais en fait, ce mec-là, si on commerce avec lui, bon, du coup, je lui ai ramené son miel, hein. C'est si doux. Et cette recette, alors? N'oubliez pas, un gâteau ne peut jamais être trop doux. La douceur peut vous aider à voir les choses avec un œil neuf, enfin, d'en apprendre encore plus. Ok, donc il m'a pris le gâteau. Mais surtout, il vend cette foutue huile de graines. Pourquoi il en vend deux différentes, je sais. C'est juste que ça doit se rentrer par 5, voilà. Il en vend, du coup je lui en achète et je vais aller m'occuper de ce foutu âne. Même si j'ai une autre utilité à lui faire avec cette huile, hein, avec lui, j'en pense que rien. Saloperie, il m'a bien emmerdé. Bon, du coup, à partir de là, je suppose qu'il va faire ses allers-retours et me ramener des cadavres. On va pouvoir recommencer à gagner des sous. Ce qui est une bonne chose. Hein, ce qui est une bonne chose. Par contre, du coup, je peux toujours rien vendre en attendant. Et je vais devoir farmer un petit moment pour réussir à améliorer ça. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer bah, mon bâtiment. Hein, je vais améliorer l'église. Je vais améliorer les. Je vais faire tout ce qui ne me demande pas de sous, en fait, tout bêtement. Et après, ben, quand il y aura besoin de sous, de toute façon, j'espère que d'ici là, ça sera arrangé. Voilà, on va faire comme ça, hein. Alors, tiens, saloperie. J'ai de l'huile pour les roues. Super, enfin un peu de calme. Je pourrais me concentrer sur mes théories et trouver le moyen de me battre pour ce qui est juste. J'ai déjà rallié tous les rats du quai à ma cause. Ouais. Bon, il m'a laissé un cadavre. Bon sang, j'y croyais plus. Autopsie. Il a pas servi à grand-chose. Ah, il me faut un crâne, en fait. Essaye de bien le récupérer, s'il te plaît. Voilà. Et, la peau, c'est intéressant, hein. Allez. Je suppose qu'on gagne des points de karma invisibles quelque part hein, pour ce qu'on fait. Hein. Ok, prendre le corps, allez hop. Et je crois que je vais le balancer à l'eau. Hein. Bah non, ça me rapporte des sous de l'intérêt. Donc ouais, mais ça a baissé le. Ouais, mais ça a baissé le. Ah! Attends. Parce que lui, il va rien me rapporter avant que avoir un bon petit moment. Parce que pour l'instant, j'ai clairement pas de quoi compenser son moins 5 là, vous voyez. Il m'a remis en négatif le bestiau. Mais bon, je peux vendre le machin. Est-ce que j'ai le droit de les retirer sans. Je peux pas. Hein. Exhumer. Ouais, non, il me faut un permis. Et le permis coûte à peu près le prix. Voilà. Il coûte à peu près ce que je vends l'autre. Donc en fait, j'aurais pas dû l'enterrer. Parce que tôt ou tard, je dois l'enlever de toute façon. Tous ceux qui sont en moins, je les enlèverai. Hein. Du coup, alors attendez, parce que qu'est-ce qu'il me faut? On va essayer de faire passer tout ça en pierre. Il me faut des trucs de réparation. On va commencer par ça. On va commencer par ça, il me faut des trucs de réparation. Du fer. Il faudra que j'aille récupérer du fer. Trucs de réparation. Alors, pâte à polir, pas du tout. Purin, ah là. Non. Kit de réparation du bois. Je propose qu'on enlève le bois de toute façon. Et qu'on va tout passer en pierre. Donc, mais il est où le truc de pierre? Kit de réparation de pierre. Ok, il me faut des pièces en métal. Et il faudra que j'aille récupérer du métal maintenant. Hop. Et ben on peut en faire 3. Allez, go! Ah non, même pas, ça en fait 12. Oula, ça fait beaucoup plus que prévu. Oh là! Oh, c'est large, pas cette énergie. Ouais, bon, bah, allez, au dodo. On va se régénérer un peu parce que les abeilles, elles m'ont fait mal hein, en passant. Hein.
Ouais, bah bon sang, j'ai l'impression d'être sorti d'un bordel là. On aurait pu le voir beaucoup plus tôt hein, si j'avais bien fouillé, mais j'avais pas vu du tout qu'on pouvait l'acheter en fait. Du coup, voilà. Hop. Alors, ça tu me le finis. On va aller récupérer du métal là-haut. Ah, j'ai le crâne à ramener aussi. Alors ça. Par contre, j'ai pas l'impression que que ça repousse après. Ça m'inquiète un petit peu, je vous avoue. Tac. Je devrais pas m'occuper de celle-là. Attendez, on va passer plus. On va plutôt aller récupérer une en bas. Hein. Je peux pas. Oui, non. La plus basse. Là. Hop, allez, on ramène le bois. Oh regardez ça, j'en ai ramené deux d'un coup. Je vais aller chercher, c'est bien. Non mais c'est bien, comme ça m'a fait gagner du temps. Tac. Là. On a encore 400, on peut y aller, hein. Voilà. Et les réparations de ton maintenant. Allez. Ah. C'est bien, tu bosses. Faut que je vérifie qu'il y a... Il y en a encore 10. Ouais, lui par exemple, on va bien ne pas y toucher. Faut que... On prend le corps, allez hop. Tac. Ok, alors pour réparer attendez, on est en réparation de c'est que du réparation de bois, vous déconnez. Réparer la clôture, celle-là on peut, et celle-là aussi. Enfin celle-là, elle n'est pas encore pétée. Hein. Ouais, si ça améliore. Ok, du coup, j'ai combien de trucs de réparation? 10, voilà. Bon, on va les mettre là, hein, parce que... Voilà. Ceci dit, du coup, celle-là, on peut l'utiliser. Non, celui d'en dessus. Voilà. Eh non merde, elle est cassée, mais on la répare maintenant. Voilà, t'es qu'à moins 2, c'est bon mec. On va remonter. Là c'est en bois. Ça c'est de la pierre. Non, quoi. Bon ça en plus c'est des marqueurs. Attendez, on va enlever les marqueurs. On va tirer. Les marqueurs c'est vraiment dégueu comme truc. Là par contre... Pierre tombale, voilà. Et je vais pouvoir retaper, je pense, retirer tous les cerclages en bois là. Je vais, en plus, on peut les recycler en bois de chauffage. On va faire ça, mais attendez, que je vois un peu ce qu'on peut faire avec ça. Les contours. Morceau de pierre, 6. D'accord, en cassant le pierre, d'accord. Minerai de fer, en cassant les plaques de fer, ok, pierre tombale. Ok. Bah écoute, fais-moi ça déjà, ouais. Comme ça, on aura tout plein de cailloux, mais je crois que j'ai déjà pas mal hein, des cailloux. Eh ben, on verra ça demain. Eh ben, on n'a pas avancé, on n'a pas fait les... Ah, j'ai pas amélioré l'église. J'ai pas amélioré l'église, du coup...
Du coup, on va pas gagner plus. Est-ce que je peux améliorer, mettre un banc avant? Allez, on va essayer de faire au moins un banc. Ça, tu finis quand même, parce que bon. Ouais. Non, on l'aura pas. On n'aura pas le banc. Tac. Parce que là, les planches, il m'en faut, je sais plus combien, je crois que c'est 8. Vas-y. J'aurais jamais les 8. Peut-être que si. Eh ben, j'aurais jamais les clous. C'est pas grave. Eh ben, si j'aurais les clous, mais j'aurais pas la capacité de faire le truc. Je sais que ça va planter quelque part, hein. Tac. On peut faire un banc, mais... Ah si, si, il marche direct, d'accord, il n'y a pas à le monter. Eh ben écoutez. Voilà, ma qualité d'église a augmenté. Hein. Ah mais non, c'est demain. Ah bon, bah on est bien, on est bien. On peut même en refaire un d'ici demain. Si j'ai de quoi couper du bois. Ah non, je crois que j'ai assez de planches en fait. Je crois que j'ai assez de planches. C'est 8, hein. Ouais, ça va pas le faire. Voilà, on avance un petit peu, mais bon. Ceci dit, j'avais peut-être dans le placard des planches, hein, faut que je vérifie. Ah. Attendez, on va s'occuper du corps. Ah bah attendez, maintenant que maintenant que le business est relancé, on enterre autant qu'on peut pour gagner des sous, parce que... je vais peut-être quand même le... Mais la table d'autopsie, je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Ah, lui, il est bien. Il est très bien, lui. Hop. Je pense que la table d'autopsie n'est clairement pas nécessaire. C'est pas une obligation de passer par là, parce qu'en fin de compte, c'était juste pour récupérer des trucs. Il faut juste... ben, ça permet de vérifier juste si, effectivement, la personne vaut le coup qu'on se fasse chier ou pas pour elle. Ben là, allez... Hop. Allez. Ça, tu le récupères. On va les mettre à recycler. Je sais plus où c'était, mais j'ai vu qu'on pouvait le recycler. Ça, c'est pour les fabriquer. C'est en bois de chauffage. Voilà. Ok. On va les mettre là. Ok. Dodo. On n'aura pas le temps du coup de faire un autre mince. Je vais pas y arriver. Un autre banc, mais bon. Ça fera toujours un peu plus de monde qui pourra venir, a priori. Et ça augmente un peu la qualité de l'église. Avec un peu de chance, hein. J'y espère pas trop, mais... Oh, s'il y a moyen. Hop.
Et côté clou. Tac. Où tu finis ça en passant? Ouais. Ça m'agace que ça clignote. Tac, allez. On améliorera le cimetière après. On va essayer de gagner au moins 10 pièces de cuivre peut-être aujourd'hui. Attendez, oh, je suis optimiste, hein. Par contre, il faut que je recharge les carottes, hein, faut que j'y pense. Est-ce que c'est quoi ton ah, c'est un miroir? Ok. Voilà. Ah, attendez, on est à 7. Hein. Je trouve que le sermon. Alors que je trimballe un crâne et de la peau sur moi. Je sens une réponse, ces quelques mots. Notre église est merveilleuse. Oui, c'est toujours aussi bien. À présent, prions pour cette bénédiction. Allez. Soyez gentils, les gens. Oui! Il donne tout plein de trucs. Seulement deux de plus, d'accord. Bon, c'est toujours ça de prix. Pas d'argent n'a pas. Comment ça? Oh, les radins! Ah ouais, d'accord. Ah oh ouais, j'ai reçu 3. Waouh. Ouais, ben, on n'a pas fini, hein. 3 pièces d'argent. Enfin, de bronze. Waouh. Ça, je vais le mettre là, parce que de toute façon, je m'en sers pas. J'ai pas ce qu'il faut. Ça, je vais le mettre là. Le reste, je le garde avec moi. Hein. Ça, il faut que j'aille les revendre. Avec un peu de chance, je vais réussir à faire un peu de sous. Mais bon, ça. Je crois qu'il va en falloir une bonne vingtaine avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais du coup, je vais pouvoir racheter des graines de carottes. Parce qu'il va falloir que je refasse pousser des carottes. Ça va devenir urgent, je pense. Est-ce qu'il m'en reste qui traîne des carottes? Ah bah j'en ai dans le champ. Hop. Les graines de carottes, ils sont gentils, ils nous en rendent tout le temps 4. Pourquoi? Bah, exactement pour ce que j'expliquais à un moment, c'est que si il faut pas que nous mettent en porte-à-faux, où à un moment on se retrouve à se dire bah on peut plus rien faire en fait. Donc les carottes, ils nous en mettent tout le temps en moins 4. Hein. Ah bah j'en ai chopé 8. Donc voilà. Tac. Oh, j'en ai. Je suis large en carottes, je suis large. On va prendre. Tiens, prends tout le paquet. On va plutôt faire comme ça, hein. Voilà. Un petit lingot de fer. Non, parce qu'à un moment, sinon, elle décide de plus venir et c'est ça m'arrangerait qu'il décide pas ça. Voilà, on a fait du stock. T'en as 55 qui attendent. Hein. Tu ramènes ton cul. On va retourner couper du bois en haut. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, je peux pas encore. Là. Ah, ici, je peux le traverser. Ah, d'accord. D'accord. Ici, je peux traverser le marécage. De l'autre côté, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Je peux le traverser. Ouais. Pourquoi je peux pas de l'autre côté? Attendez, parce que j'ai perdu mon bout de bois. Voilà. Ok. Du coup, il fallait que je fabrique quoi déjà? Encre fabriquée à l'étape petite église. Ouais, mais il me faut pour l'encre, il me faut de la peinture noire. Et ça, cette peinture noire, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que par hasard,
Il faut peut-être que je m'occupe du lieu de crémation aussi. Écoutez, on va servir de ça pour ça. Tant pis, hein. Lieu de crémation. On va s'occuper de ça. Parce que du coup, ça me permettrait de pas garder les corps inutiles. Enfin, les corps inutiles. Les corps qui vont rien me rapporter et qui vont me poser soucis. Lieu de crémation, il me faut 8 bilots. Allez. C'est quoi ça? Non, celui d'au-dessus. Là. Ça paraît être un gouard, ça. Ouais, bah, c'était carrément pas un gouard. Bon, je crois que ça fait... Ouais, ça... Vraiment, il va manquer. Il va manquer deux. Et de la fatigue. Hop. Ah oui, hier, l'âne n'est pas venu, mais c'est normal en fait. Hier, l'âne n'est pas venu, tout simplement parce qu'il ne vient pas le dimanche. Enfin, le dimanche. Ouais, on va dire que c'est un dimanche, quoi. Mais... Là! Est-ce qu'on peut couper la souche là que je viens de faire? Oui, ça m'en rapporte un peu plus. Non, que dalle, d'accord. Pas grave. Tac. Voilà. Alors, lieu de crémation. Ah ben là. Voilà, donc si j'ai un corps inutile, ça sera pour là. Ce serait peut-être presque intéressant de voir ceux qui me font chier là-dedans. Mais bon, on verra plus tard. Genre tous ceux qui ont plus de 4, on va dire, je les vire parce que ça sert à rien, quoi. Alors lui, par exemple, il me rapporte rien, quoi. Il me rapportera un maximum. Lui, ça vaut le coup de... Lui, ça vaudrait le coup de le virer, quoi. Lui par contre il est très bon à garder. Et lui il sert à rien. En fait c'est pas tant le nombre de crânes rouges qu'il faut surveiller. Et ce qu'il va falloir surveiller c'est le nombre de crânes blancs en fait. Parce que tant qu'il y a des crânes blancs ben, on peut considérer qu'on va pouvoir arranger ça. Mais sinon... Alors là, t'as les pierres tombales, mais t'as pas les contours, hein, toi. Écoute, fais-moi déjà 3 pierres tombales. Va reposer tout ça. Pas plus de thé. Oui, je consomme du thé, beaucoup trop. Je consomme beaucoup trop de thé. Allez, on va prendre le cadavre, on va voir ce que... On va finir celle-là en passant. Hop. En fait, ouais, ça c'est intéressant pour la morgue, pour... pour le côté, voir ce qu'il vaut. Genre là... je pense que c'est limite plus intéressant de le brûler. Du coup, dans ce cas-là, on va récupérer des trucs dessus. Allez. Ah, on s'est raté. Bas de la graisse, tiens.
Je suis pas sûr à quoi ça sert de récupérer les os, mais bon. Allez. Voilà, là, il est clairement... Maître. Voilà. A priori, ça marche pas mal comme ça. Je sais pas s'il faut attendre un truc ou... Ça va se faire. Ok. Par contre, là, il m'a rien apporté du coup. Mais faut penser à long terme, quoi. Ou vaut-il mieux pour rendre le coup de se dire ben je récupère tous les trucs pour l'instant et puis une fois que j'aurai plus de sous et plus de moyens je déterrerai parce que ça coûte qu'un truc. Je sais pas du tout. Oula. Ouh. Il fait frisquet ce matin là. On va déjà déposer les ce qu'on a. Alors, on va vendre le peu qu'on a. Commercer. Ouais, les trois ans. Ouais, ouais, ça. 4,50 pour les trois. Je crois qu'il faut déjà 30 rien que pour avoir le tampon pour pouvoir vendre la viande. Je vais pas racheter de quoi faire le potager pour l'instant parce que de toute façon je peux rien vendre donc ça sert à rien de dépenser pour l'instant. Et c'est passé comment pour l'autre côté? D'accord, je récupère. Ah bah si, je récupère quand même un... Ah je récupère quand même un certificat. Par contre, à chaque fois, faut que je refasse un... Ah ouais, d'accord. Ça me coûte du bois à chaque fois, quoi. Écoutez, cet endroit-là, de toute façon, on va le... Tac. Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? C'est une bonne question à la fois. Bah, sachant comme on risque de galérer à mettre... Ouais, si, si, ça vaut clairement le coup parce que... Il faudrait, comme on galère à faire le matos, soit on s'embête à récupérer... 6 morceaux, enfin 8 morceaux de bois, non mais même pas, 2 morceaux de bois et on... non, 3 morceaux de bois. Et on le brûle, soit on s'embête à lui créer une tonte qu'il va falloir améliorer et tout bazar pour réussir à... Donc je sais pas. C'est une question qui peut se poser. Toi, c'est bon. Voilà, tu peux nous rapporter aussi, allez. Tac. Et là, il y en avait un qui était vraiment... Ouais, alors lui, par exemple. Si, lui, il y a moyen de rapporter pas mal. Allez. Tac. Ok. Ah bon, bah, un nouveau. Je ne vois même plus l'âne. Alors, faut voir.
3. Bah allez, on va l'enterrer. Au pire, je les déterrerai plus tard. Attendez, il y a quoi de plus là? J'ai bien un autre truc. Ah, c'est pour mettre pour mettre les cendres. Ouais, bah alors, pas tout de suite, hein. Je sais pas ce que j'en fous par contre des cendres, attends. Mais tu vas. Hop. On va les foutre là, hein, écoutez. Ça, ce qu'on a récupéré dessus. Et du sel. Je sais pas d'où il sort le sel, mais je veux pas savoir en fait. Et le contour de pierre là, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Et je suis coincé tant que j'ai pas de la science. Mais pour ça, il faut de l'encre. Et l'encre, je sais pas où la choper. Attendez. T'es encore là, toi, hein? Établi de l'église, data. Encre par 5, ouais. Par contre, ça rapporte. Il me faut ça. Que de toute façon, je peux pas débloquer. Et l'établi alchimique. Comment je peux améliorer ça? Je sais pas comment je peux les récupérer, ces trucs. Mais je peux rien étudier sans. Ah, je comprends bien que je peux rien étudier sans, mais et du coup, comment on fait? Bon, ça, faudrait que je le fasse par contre. En soi, je sais pas si j'ai envie de déblayer ou pas pour y avoir accès. Mais d'un autre côté, il peut me permettre de vendre de la viande. Citoyen. Permis de construire, c'est pourquoi? Citoyen, un tampon, 50. Eh ben, on n'est pas prêt d'y être, hein, moi je vous le dis. Et j'ai peur de retrouver un peu le syndrome Stardew où ça risque de se répéter énormément. Donc je pense que je vais faire comme sur Stardew, c'est-à-dire que à la fin de Stardew plutôt, il y a des moments où je vais tout vous couper. Je vais pas vous mettre tout ce qui se passe parce que sinon ça va être extrêmement long. Et du coup, je vais plus partir sur le fait de vous mettre une vidéo où je vous fais des récapitulatifs réguliers plutôt que de vous mettre des longues vidéos où ben, il se passe plus grand-chose d'original parce que ben, ça se passe tout la même chose. Genre là, le temps que j'arrive à avoir les 50 pièces, ça va être du farm a priori. Hop. Allez, j'ai 4 trucs de réparation. Je vais aller réparer ce qui peut l'être dans le cimetière. Et puis, ben, le reste. En même temps, mon objectif. Je tourne non-stop sur l'objectif. Il faut faire des sous. Mais dans le jeu, pas forcément, en fait. Je me débrouille pas si mal sans sous. Je sais même pas comment ça va les sous, en fait, si je les avais. Faut que je limite là-dessus. On va. Ah bah c'est. La prochaine fois qu'on est sur ce jour-là, il faut que je pense à aller voir le gars.
Alors j'ai fait plein de trucs de réparation encore une fois et en fait il n'y en a besoin que d'un. Voilà, on va les mettre là. Tac. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut 7 contours en bois. Tac. Les contours, ils sont là. Il me faut une planche par truc. Ça va. Hop. Et du coup, trois clôtures. Allez, déjà ça. Ah bah nickel. Tac. Hop. Non, tu viens avec moi, s'il te plaît. Ouais, bon, bah si, allez, hop. Trois, ça se remonte rapidement. Donc bon. On va le mettre là. Hop. Et du coup, lui ça va descendre à moins 1. Hop, voilà, je savais que je finirais pas, mais bon. Allez. Oui, bon, je vais déjà finir celui que j'avais commencé. Hop. Tac. Et ceux qui rentrent, de toute façon, je les laisserai dans le placard. Dans le placard. Bref, vous avez compris. Le purin, il sert à quoi? Je sais même pas. Hop. Là, il y a le truc en dessous aussi qu'il faut que je vois pour ouvrir. J'ai tellement d'expérience et je peux rien prendre quoi. Au moment où je vais avoir de la science, ça va aller très vite. Oh, 7 carrément. Bon, bah, allons-y pour 7, hein. Allez, au lit. Là, on va apporter le lendemain, on va apporter la tête à l'astrologue et puis on arrêtera. Je vais continuer toute seule pour quelques temps, améliorer un peu tout ça. Il vous manquera deux, trois petits... Ah, bon, bah, on va aller récupérer le cadavre et il vous manquera deux, trois petites choses, mais bon, je vais faire le maximum pour que vous ayez beaucoup de choses.
Hop, allez. Tac. Trois. Ça va, ça se fait. C'est quoi ça? Non, j'ai rien là. Réparer, réparer le bureau. Le bureau de la morgue cassé. Je peux réparer ça pour voir ce que c'est. Ah bah j'avais déjà une tombe prête. Tiens, t'as le droit directement à ça, toi. Tac. Toi. T'as moins 3, sérieusement, quoi. Hop. Avec le temps, je pense que tous les corps sont valables, ceci dit. Hop. Allez, je vais me mettre en haut jusqu'au phare parce que c'est à perpète les doigts. Faudra que je regarde si l'encre noire, j'ai pas moyen de la trouver quelque part. Parce que je l'ai vue nulle part dans les crafts. Du coup, c'est possible qu'elle soit qu'on peut l'acheter quelque part. Du coup, à ce moment, il me faut de l'argent. Voilà. C'est peut-être pour... Ouais, bah ouais, il me faut de l'argent pour acheter l'encre noire pour pouvoir... Voilà, c'est pour ça que dans ma tête, il me fallait de l'argent. Bon, attendez, on va déjà... Allez, vendre nos... Commercer. Allez, 6. Ouais, on est passé à 11. On perd pas l'espoir. C'est pas par là. Alors, l'astrologue est là. Lui donner le crâne. Il n'est pas très propre, mais tous les os sont en place. Vous semblez avoir un certain talent pour l'anatomie. Le corps humain est si mystérieux, peut-être encore plus que le soleil et les étoiles. Je suis convaincu qu'un jour, vous en saurez beaucoup à propos du corps et de l'âme. Et ce jour-là, vous vous retrouverez complètement perdu. Étant donné que nous sommes désormais tous les deux complices d'un crime, qu'attendez-vous de moi, mon ami? J'aurais besoin de votre aide. Bah, je peux lui demander l'encre aussi, ouais. J'en ai. En fait, je dispose de pas mal de trucs, de choses utiles. Certaines peuvent éveiller l'intérêt scientifique amateur entre vous. Je ne supporte pas que les andouilles de l'uni. Je ne supporte pas les andouilles de l'univers. Je préfère me débrouiller seul pour me faire un peu d'argent. Ah, il va m'en vendre. Ah, il m'en vend, il m'en vend. Mais par contre, encre, ouais. Ah oui, j'ai déjà tout. J'ai déjà tout avec lui. Il n'y a pas de souci. Effet quand utilisé. Ah, je peux débloquer. Ah, c'est très tentant d'en acheter là du coup. Attendez. Et j'aurais besoin de votre aide. Un ami m'a dit que vous sauriez comment ouvrir le portail de la colline des sorcières.
jamais entendu parler. Enfin, peut-être pas jamais, mais en tout cas, pas depuis de nombreuses années. Dans une autre vie, j'ai eu un ami. Maintenant que j'y pense, il était gardien du cimetière, tout comme vous. Il n'arrêtait pas de parler de ce portail. Je suis sûr que c'est le crâne. Il débordait d'imagination, il connaissait tant de choses. Il s'appelait Gary. En fait, je ne connaissais pas son nom. Tout le monde se contentait de l'appeler le gardien. Que est-il arrivé? Il a tout simplement disparu. D'un coup, personne ne l'a jamais revu. J'ai essayé de le retrouver, mais personne ne le connaissait. Et je ne suis même pas arrivé, je suis même arrivé à me dire que ce qui était que le fruit de mon imagination. Ce fut une période très difficile pour moi. Que c'est au propos du portail, je pense qu'il a trouvé le moyen de l'activer. C'était en rapport avec la magie, donc je n'ai pas vraiment prêté attention. Tout cela devrait cependant se trouver dans son journal. Juste avant sa disparition, il m'a confié cette clé. Elle ouvre une grille métallique au nord de la crypte de l'église. Ses notes les plus importantes doivent se trouver dans ses pages. Ah, d'accord. Pourquoi n'avez-vous pas pris ces notes? Oh, j'ai essayé, mais cette clé a un succès. J'ai essayé pendant des mois de comprendre comment elle fonctionne. Enfin, tout ça peut-être peut-être que dans... tout ça ne peut être que dans ma tête et cette clé ne sert peut-être à rien. Enfin, prenez-la. Essayez de comprendre comment la clé est utilisable sur la table des études des cryptes de l'église. Oui, mais pour ça, il me faut de la science. Voilà. Lorsque vous aurez son journal, apportez-le-moi, j'essaierai d'y trouver des informations à propos du portail. D'accord. Il va falloir que je prenne de l'encre, hein, parce que si je veux pouvoir... Chapitre, peut-être décomposer sur la table. Ah, oui, mais attendez. Si, 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 c'est bon, ça. C'est bon, ça, parce que j'en utilise un. Ça va coûter cher. J'en utilise un, ça me rapporte énormément. Je crois que ça rapporte 15 chacun. 15, ça me permet de faire des études pendant un petit moment, hein. Donc, oui, ça va me rapporter 45 en tout. Il y en a pour un petit moment, là. C'est bon, ça. Ça me débloque, ça me débloque. Hop. Tu fais gaffe, t'as le ventre qui bouge, mec. Et ça faisait pas respiration, ça faisait genre un alien dans le ventre. Bon. Eh ben écoutez, du coup je suis débloqué, donc il n'y a pas forcément besoin que... Je sais pas combien de temps je suis. Ça se trouve la vidéo, je l'aurais coupée en deux depuis le temps, hein, parce que je pense que ça fait un petit moment que je suis dessus, là, mine de rien. Ouais, un bon petit moment même. J'ai passé ma journée sur ce jeu, j'ai complètement craqué dessus, quoi. Il m'a fait le même effet que Stardew en fait. L'effet, on bloque dessus, on commence et on veut plus s'arrêter. On veut évoluer, on veut améliorer tout ça. Et on bloque. Alors. On va utiliser ça sur la table. On va débloquer plein de trucs. Et du coup, c'est le portail qui est là-bas qu'il essaie d'ouvrir depuis je sais pas combien de temps. Alors, étudier. Tac. Oui, plus 15. Il y en avait qu'un? Ah, j'ai cru que j'en avais 3 des bouquins. Ah merde. Bon, bah, plus 15. C'est pas si mal. Alors, étudier. Bah, plutôt ça. Hein, plutôt des trucs scientifiques parce que c'est vraiment ce qu'il faut que je récupère en priorité. Ouh, ça fait du bien. Je sais pas regarder ce que ça donnait. Je suppose que c'est... Ouais. Ok. Ça, pareil, ça rapporte... Oh, c'est en coûte 2, j'avais pas vu. La clé du gardien. Ah, je peux pas pour l'instant. Je ne peux point pour l'instant. Non, bah pour l'instant, on va rester là-dessus. Je vais pas en faire plus parce que je veux clairement les utiliser principalement pour le bleu. Les autres, c'est pas une grosse nécessité. Alors, voyons voir ce qu'on va évoluer du coup. Technologie, je vais peut-être prendre ça.
coûte pas bien cher, on va prendre ça. Prière, la prospérité, argent de la quête, plus 25%. Mais j'ai jamais... Ah, argent de la quête, d'accord, oui. Foi via le sermon, hein, 10, à garantie, 10 pour garantir le succès de la cérémonie, pour ceux qui gagnent leur vie en faisant du commerce honnête. Permet d'obtenir une bénédiction commerciale qui peut améliorer un vendeur. Et les prospectus, il me les faut pour une quête. Voilà. Donc là-dessus, on va rester là. On va essayer d'évoluer un peu le reste. Ça, non, hein, pour le coup. L'alchimie, voilà, je ne l'ai pas en fait. L'alchimie, elle apparaît là. C'est anatomie et alchimie. Donc l'anatomie, c'est là et l'alchimie sera après. Ça, j'ai pas encore compris à quoi ça servait. Hein. J'ai pas encore compris. Table d'études. Mais le mot, à partir du moment où je saurais m'en servir de ces trucs-là, je pense que ça va me rapporter énormément. Mais pour l'instant... Livre. Papier propre. J'avais déjà du papier propre. C'est quoi cette affaire ? Recette papier propre. Bon, on aura peut-être une nouvelle. D'accord. Ça, c'est pas une nécessité. Ça, ça coûte pas bien cher. On va le prendre. Domestication des abeilles. Oh ! Et ça me coûte rien du tout en... Très bien ça. Faire une ruche. Les outils là on les prend. Je sais pas pourquoi je les avais pas encore pris. Les armes. Ah c'est un bon point ça aussi. Pareil. Oh on avance, on avance. Souffleur de verre. Ben je vais le prendre ça parce que j'en ai visiblement besoin. Forgeron nez. Vous aimez travailler le fer, chauffer à rouge, marteler, vous détendre. Lorsque le travail est fini, vous parvenez toujours à trouver un moment de fabriquer quelques clous supplémentaires. D'accord. Ah ouais, non, c'est 30 quand même. Ça m'intéressait, mais c'est 30. Ça, non. Allez, on va le prendre. Ça me permet d'avoir possiblement des bûches supplémentaires. Du coup, il me reste 25 ici. Je vais le prendre. Parce qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir me servir des trucs. Voilà. Est-ce que... Si je vais sur le bureau, là... Non, je peux les créer, mais je peux... Je sais toujours pas à quoi ça sert. Je peux les créer, mais je sais pas à quoi ça sert ces trucs. Peut-être les échanger à quelqu'un. Ah, bon, bah on va aller s'occuper de du cadavre. Sauf que j'ai plus l'énergie pour, donc... Hop. Il continue à perdre quand il est dans la morgue ou pas? Je me demande. Toi, t'es pas mal, hein. Mais par contre, j'ai pas d'énergie pour toi. Alors, tu restes là pour l'instant. Tac. J'ai plus de place dans l'inventaire. En même temps, c'est le beau bordel dans mon inventaire. Tac. Je sais même plus quoi poser là. Ça, tu poses. Ça, tu poses. Ça, ça va peut-être un moment. Les asticots, il y a déjà dedans. Parfait. Tac. Allez. Mais ça, c'est pareil. Il doit en avoir dans le tas en plus. Ouais. Donc j'ai juste à le poser. Ok. Non, parce que là j'ai un cadavre qui est en train de pourrir dans les pattes. Hein, donc on va juste remonter un peu. Voilà.
coup, ça l'a pas abîmé. Voilà, le fait qu'il soit sur la table d'autopsie, ça l'a pas abîmé, pardon. Voilà. Allez. Zou. J'ai rien pour toi pour l'instant, donc tu feras sans. Attention, on est le jour où je vais gagner deux pièces de bronze. Je pense que on va avancer avec ça. J'ai appris tellement de recettes. Là, en fait, j'aurais dû m'abstenir et aller plus doucement parce que du coup, je sais pas ce que par quoi je vais commencer. Bon, et ben écoutez, on va s'abandonner là aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, je vais avancer un petit peu quand même pour farmer et tout bazar. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt. Allez, à toutes!